Salut tout le monde, c'est Asso pour la plateforme de DayZ Network. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 11 pardon, de Unfriendly Island sur la carte de Taviana. Eh, j'ai trouvé une roue. Waouh, magnifique! Donc, j'ai pris soin de vider notre ami qui était là complètement. D'ailleurs, on va se rajouter un petit, hop, petit chargeur vite fait, voilà. J'ai tout mis chez lui là. Chez notre ami le Billy. Enfin, quasiment tout. Le reste, j'ai embarqué dans ma bécane. Bécane qui est. Allah. Comme vous le voyez, il y a de la jerrycan autour dans tous les sens. J'ai fait le plein correctement. Qu'est-ce qu'on peut trouver rapidement ici? Un chargeur Dakar. Mais bien sûr. Hop. Voilà. Et prêt à partir, complètement réparé. Tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est nickel chrome. On a ça à l'intérieur. Donc deux jerrycans, fuel tank engine et le scrap. Donc on peut quasiment tout réparer. Il nous manque les roues forcément. Puisque en même temps, j'allais pas m'amuser à en trouver d'autres. Puisqu'il m'en fallait qu'une. Et j'ai déjà assez galéré pour la trouver, encore une fois je m'excuse pour cet épisode numéro 10 qui était vraiment chier. Bon, pas le choix, hein. Des fois, voilà quoi, je m'attendais vraiment à avoir une roue un peu plus rapidement. On se trouve actuellement ici, dans le hangar du milieu. Maintenant, où est-ce qu'on peut aller faire un tour? Telle est la question. Alors moi, ce serait bien de trouver un supermarché. Où est-ce qu'on pourrait trouver un supermarché? Ici. Peut-être là. Ouais. Paraître une assez grande ville, tout ça. Bon, je sais pas trop. Pas mal d'indus ici aussi. Alors, Ekaterinbourg, tout ça, c'est un petit peu dangereux comme zone, puisque c'est une zone de spawn, de pop. Alors là, il y a peut-être moyen de trouver, quoi. Peut-être faire un tour par ici, tiens. Hein, un petit peu sur le trail, ça pourrait être cool. Puisque là, au final, on a quand même fait pas mal de zones, on va dire ça. Et ouais, ce serait bien, ce serait un peu fun de changer, quoi. Ce serait cool. Alors, je vais mettre un checkpoint ici. On est à combien? Maintenant que j'ai des problèmes de connexion, nouveau, décidément, c'est pas cool, ça. On est à combien, là, de cette zone? 2,7 km. Ok. Eh ben, ce qu'on va faire... Ah, elle roule comme je suis content. C'est que je vous retrouve dès qu'on est sur place, plus ou moins. Allez, à tout de suite. Re tout le monde. Je vous reprends ici. Alors en fait, on n'est pas on n'est pas encore arrivé là où je voulais. C'est-à-dire là, à la base. Je suis quelque part dans le centre, pas loin de la grande place qui est là. J'ai laissé ma moto à l'entrée parce qu'en fait, je me souvenais qu'il y avait des supermarchés à deux étages ici dans le centre-ville de Sabina. Et c'est exactement où on se trouve. Alors on va voir ce qu'on peut trouver d'intéressant. Moi, je cherche principalement de la bouffe. Histoire de pouvoir faire le plein de vie, n'est-ce pas? Et peut-être, je sais pas, d'autres surprises. Allez savoir. Alors, les zombies viennent de pop, il n'y avait personne. Apparemment, on pourrait supposer donc que la zone est vide. Deux joueurs. Enfin, j'espère. Alors, je vois les ombres, mais... Ah, ok, ils sont à l'étage supérieur. Tout va bien. Je sais pas exactement où je me situe en vie. Toujours est-il que on continue à chercher et ouais, je pense que ça devrait suffire après ce supermarché en fait au final. Alors c'est immense, c'est dommage qu'il n'y a pas un petit peu plus de détails quand même à l'intérieur des supermarchés. Bon, c'est déjà très bien hein. Et puis l'idée du supermarché à deux étages, je trouve ça nickel, l'escalator et tout, la totale, ça c'est vraiment excellent. Mais ça aurait pu rajouter, je sais pas, quelques petites choses dedans quand même, un peu plus de contenu. Au final, ça paraît quand même assez vide. Mais bon, on est déjà sur un truc vachement plus stylé que les supermarchés habituels. Mais ouais, comme dit. Je sais pas, peut-être un peu plus d'étagères, je sais pas. Un peu plus de bordel, un peu plus de fouilles. En tout cas. Ouais, franchement, c'est la classe. Hein. Ah, j'adore cette map. Je suis fan. Bah, c'est bien simple. Hein. Tous les épisodes que vous voyez les uns après les autres tous les jours, ce sont des épisodes que je fais. Des allumettes? Oh, nice! J'avais déjà? Non, parfait ça. Nickel. Bah c'était ça la petite surprise apparemment. Ouais, tous les épisodes que vous voyez, bah, je les tourne quasiment les uns après les autres. Hein. Vraiment, je suis à fond sur cette carte. C'est un truc de fou. Je kiffe, j'adore, je suis fan. Ils ont fait un énorme taf. Encore de la bouffe? Magnifique. Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié ce détail ici. Les zombies courent dans le supermarché. Alors, c'est pas pour m'arranger ça vraiment. Il y a de la bouffe là-bas encore.
Puisque au final, j'ai pas mon gun dehors là, j'ai mon AK. Alors est-ce que ça marche ça? Oh oh oh. Allez là, dans le menton, et il veut pas mourir. La deuxième dans l'œil, ça ira mieux. Voilà. Hop, bonjour. Au revoir. Non. Au revoir, je disais. Ok. Nickel. On continue notre dégustation. Bah ouais, non mais c'est excellent. Cette carte, elle est monstrueuse. J'adore. Bon, on doit pas être loin du full life là, très probablement. Si c'est pas déjà le cas depuis un moment, enfin j'en sais foutre rien. On va aller récupérer notre bécane. Et maintenant que j'ai personne aux fesses, enfin je ne crois pas que j'ai quelqu'un aux fesses, je sais pas vraiment en fait. Ok, on va dire non. La question est de savoir où est-ce qu'on va s'arrêter. Alors, bon, je vais reprendre la route par ici, je vais passer par la route principale, etc. Pour prendre le pont. Pont qui, à mon avis, est extrêmement, extrêmement dangereux. Puisque c'est le seul et unique pont que vous avez dans la carte pour délimiter les deux îles. Et pendant qu'on a un énorme code d'erreur juste là. If is server, then. RU véhicule box. Ouais, d'accord. RU véhicule box, c'est comme une ammo box, c'est-à-dire un truc cheaté. Bon. J'ai bien envie d'aller faire un tour à Komarovo, moi. Et en plus de ça, je crois qu'on peut faire, ouais, on peut faire le plein à Komarovo. Donc on va aller vers Komarovo. On verra bien. Ouais, on va faire ça. On va aller sur le trill et on va aller faire un tour à Komarovo. Maintenant, moi, ce que j'ai un petit peu peur, c'est ce pont-là. Puisque au final, comme c'est le seul et unique pont, qu'est-ce qui empêcherait un joueur de se poser là-dessus, de se poser avec un snipe? Personnellement, si moi j'avais un snipe et que je savais jouer snipe, hein, on va commencer par là, et que je touchais vraiment en sniper et tout, et pour faire chier le monde, clairement, je me mettrais à un bout du pont et j'attends, quoi. Et encore mieux si je trouve des sacoches explosives, alors là, vous avez même pas idée de ce que je ferais comme carnage. Enfin bon, toujours est-il qu'on verra bien sur place, hein. De toute façon, on meurt. Ma foi, j'aurai les nerfs pour cette moto parce que je sais pas, c'est quand même un épisode complet à vous trouver une roue. Et voilà, et une bonne vingtaine de minutes ensuite, puisque au final j'ai continué. Donc voilà quoi. Ce serait moche que je perde ma moto et en plus de ça, que je perde la vie quoi. Tout simplement. Alors, la route était par là. Je sais pas trop par où je vais moi. Ah bah c'est ok, d'accord. C'est par ici. Alors, vous avez pu remarquer que la roue était jaune déjà. Alors je me suis pas crashé, en revanche je me suis heurté à un mur invisible, ouais. Alors c'était assez bizarre comme truc, en fait vous avez un tunnel qui sépare la ville, donc c'est le... vous prenez la route qui est là et vous avez un long tunnel et vous ressortez de l'autre côté, par ici. Alors c'est bien, ouais c'est cool, j'ai fait tout le tunnel, et arrivé au bout, bim. Et heureusement que je suis pas allé trop vite parce que je me suis arrêté parce que j'ai vu un van et je voulais looter dedans, savoir ce qu'il y avait, et au final j'ai même pas pu traverser et aller jusqu'au loot, enfin jusqu'au véhicule pour looter. Et je me suis pris le mur et ben voilà la roue jaune quoi. Bon, elle est pas détruite, tout va bien, on peut toujours encore rouler avec. Elle a l'air pas trop dégueu. Donc pour l'instant ça va quoi. Mais quand même les nerfs. Alors, ben je vais faire une ellipse le temps d'arriver au pont. Je vous reprends avant le pont, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. Et voilà, on verra bien si on va se faire dézinguer. A tout de suite. Ok les amis, je vous reprends. Alors on n'est pas arrivé sur place. Par contre, j'ai un minivan derrière moi. J'ai un truck orange. Voilà, vous le voyez, il est juste là-bas, le bonhomme. Donc du coup, le mec apparemment a décidé de me chasser. Et le souci qu'il y a, c'est que la moto est moins rapide que le van. Du coup, le bonhomme peut facilement me rattraper et me prendre la tête. Alors on n'a pas choisi la meilleure route, puisque c'est une route unique. Mais on va lui tailler un sac, vous allez voir. Et si je peux lui tendre un piège, je vais lui tendre un piège. Je ne sais pas encore comment, mais il me rattrape. Ça craint. Oh là là, ouais, il me rattrape, ça pue là. En plus, en ligne droite, ça va pas le faire. Je suis plus rapide que lui dans les tournants. En revanche, dans la ligne droite, c'est lui qui va mettre un sac. Et ça craint. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai une grenade également sur moi. Mais il n'hésitera pas à m'écraser si je descends du véhicule. Qu'est-ce qu'on a en face là? Il y a une bécane également.
Allez, voilà comment on peut le griller. Non, par contre, faut pas que je pète ma moto, moi. Avance, 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 avance. Il m'a touché, je saigne. Oh là là, mais quelle merde! Il fait chier, lui. Allez, dégage. Un de moins. Allez, 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 on se concentre. Bien. Ah, attends, tu vas voir, toi. Il y a un truc que tu vas sentir passer, mon pote, et c'est ça. Allez, maintenant paye, s'il te plaît, paye la grenade. C'est eux qui m'ont cherché. Merde, j'ai pas réussi. Ok. Mon dieu, c'est le stress là. Ouh. Allez, allez, allez là. Il m'a tiré dans la moto. S'il approche, je le défonce. Alors, il y a toujours le camion qui est en vie, le leur. Le camion orange que j'avais avant. Si là, je sais qu'il m'attend, je sais qu'il est quelque part. Allez là, approche mec, approche, c'est ton tour là maintenant, c'est moi qui gagne là dans l'histoire, c'est toi qui m'as fait chier. Oh je l'ai vu. Il m'a vu, il m'a vu, il m'a vu. Putain, il m'emmerde. On peut passer par là. Oh, dommage. En tout cas, on va se servir d'un petit cheat là, qui est celui-là. Tant qu'à faire. Ah, utilise tes munitions pour rien, mec, c'est pas grave. Il m'a pourri ma bécane, l'enfoiré. J'ai pas de grenade. J'ai plus de grenade, je crois. Check dans le sac, vite fait. Allez, une grenade là. Non? Merde. De toute façon, il approchera pas. Et moi non plus, il le sait. Du coup, on est coincés tous les deux là. Alors, il était où mon petit cheat là? Mince, le cheat ne marche plus. Dommage. Ah, elle m'emmerde cette pierre. Putain, les collisions, merde. Rocket, fais quelque chose dans ta vie. Wow, wow, wow. Allez là. Si je sors et que je fais un décal et que je loupe, je suis mort. C'est ça le problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va rester ici pendant un moment, je crois. Putain, 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 putain. Je suis tellement mal placé, bordel. Ok, on va faire le truc. Ok, il a accès jusqu'à là. On peut tirer jusqu'à là, très bien. Pas de problème, mon pote. Tenter un autre truc un petit peu sneaky là. Allez.
Il a un snipe là-dedans, lui. T'as une grenade? Non plus. Putain, tu m'aides pas, bordel. Ok, il faut d'abord qu'il reprenne son souffle. Respire doucement, mec, là, c'est bon, c'est pas le moment de me faire chier. Oh là 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 là, le fight intense là, bordel. Je sais pas du tout où il est parti là. Je le vois plus. Alors, il y a le. Il y a là, il tire encore. Non! Mais non! Mais non! Mais non! Mais non! Mais non! Alors là, putain, c'est pas possible! C'est pas possible! C'est... Mais c'est pas possible! Oh, mais non! J'aurais pu l'avoir! Qu'est-ce que je suis deg! Là, pour le coup, c'est lui qui va me snake encore. Non, mais c'est pas vrai! Le... Oh ouais, je l'ai vu. Et il m'a eu. Et il m'a eu, 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 il m'a eu. Décale trop violent. Il va me tuer, il va me tuer. Et voilà, je suis mort. Putain, c'est pas vrai. Non. Oh, fais chier. Mais quelle baltringue. Mais non. Oh là là. Tout ça pour rien. Allez, ça c'est pour toi. Putain, pourquoi j'ai dû recharger? C'est pas possible ça. Ah, mais non, mais j'y crois pas une seule seconde. Non mais honnêtement, honnêtement, c'est pas possible. Putain, c'est pas possible. Oh. Non. Bon, je couperai toutes les insultes au montage, n'est-ce pas? Oh, mais c'est pas vrai. Là, j'aurais pu le tuer. Clairement, j'aurais pu le tuer. Plus de balles, j'aurais pu le tuer. Ou du moins, il aurait été bien, bien blessé, quoi. Oh, mais les nerfs. J'y crois pas. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Et je n'y crois pas du tout. Une balle. Mais qu'est-ce que tu veux que je foute avec une balle? Oh, merde. Mais pourquoi j'ai pas regardé le chargeur? Encore une erreur que je ne ferai plus, ça. Bref, bah, nouvelle vie. Je suis super content. Comme vous pouvez l'entendre, n'est-ce pas? Où est-ce qu'on commence? Kameni, laisse-moi deviner. Bah tiens, et on est en rocker en plus, non, on va vite crever à mon avis. Ah, voyons voir. Non, c'est là le camp. Ouais, bah là, on est nouveau dans un serveur, enfin sur un, pardon, un truc de start. Donc si vous voulez mon avis, on a envie de se faire déglinguer, quoi, ça c'est clair et net. Et putain, on recommence avec un Makarov tout pourri, quoi, alors qu'on était blindé, mais j'y crois pas, mais non. Bref. Bah, petite ellipse, les gens, le temps de. Bah, de vous retrouver au camp militaire. Ah, tout de suite. Ok, re tout le monde, on se retrouve. On est donc parti de Kameni qui est derrière nous. On arrive au spot que vous connaissez bien et que je commence à connaître par cœur aussi. Toujours beaucoup de joie sur le serveur. On peut donc penser qu'il y a du monde ici, forcément, puisque ben, vous savez très bien comme moi que c'est une zone où il y a énormément de repop. Donc, eh ben, on est reparti à poil. J'ai discuté un petit peu avec les gens sur le serveur, donc je sais qui c'est qui m'a tué. Et si je les retrouve, je leur ferai la peau. Bref. Ah, oh, je suis deg quand même, j'aurais dû l'avoir. Je suis foutrement deg. Bref, on va passer à la suite. Ne nous attendons pas là-dessus. De toute façon, ma mourir fait partie de Daizen. Hein. Et y a un bonhomme qui a vu que ben il y avait un site web sur mon pseudo et a dit qu'il allait jeter un coup d'œil à la chaîne. Ça fait plaisir, mec. Quand tu veux, y a pas de problème. Fais un petit tour. Ah, en tout cas, c'était bien intense. Beau combat, tout de même. Même si au final, ben je l'ai perdu. C'est pas grave.
Bah, c'est le Jason, là, justement. Jason et Jonathan, ils s'appellent. Les deux joueurs. Maintenant, voyons voir. Est-ce qu'on peut trouver cash une arme principale? Ça me ferait très plaisir, mais bon, à mon avis, ça n'a pas pop. Alors, j'ai pas fait attention à tout ce qu'il y avait ici. Il y a du DMR. Bon, on va laisser tomber pour l'instant. Ça, c'est un assaut pack. On va embarquer. C'est toujours mieux que ce que j'ai sur moi. On enchaîne. Allez, une bonne arme, là. Bam, 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 bam. Rien du tout, rien du tout, rien du tout. Ok. On continue. Non, j'ai pas cherché le chargeur de DMR. J'ai pas m'amuser à rentrer dans le bâtiment juste pour ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, là? Rien d'intéressant. Entrenching tool. Pourquoi pas. Et je crois que je l'avais trouvé au même endroit dans mes épisodes précédents. Exactement au même endroit. C'est intéressant. Fag, why? Il y a une autre arme là-dedans. On va prendre. Là, par contre, je vais rentrer. Je vais lui expliquer pourquoi c'est un connard. Alors. Ah, c'est un M9. Ok. Bah, pourquoi pas. On enchaîne. On va aller à notre caserne. Voir si on peut trouver quelque chose d'intéressant. Ensuite, comme d'hab, on va faire toute la zone qui est là. Et on va descendre en ville. Et on va aller direction Sabina. Puisque Sabina, c'est là l'endroit où j'ai trouvé de plus de véhicules. Et il y a une énorme zone Indus. Donc on va pouvoir se faire plaisir. Je vais éventuellement, avant de partir vers là-bas, et essayer de trouver un Alice Pack ou quelque chose, enfin un sac plus grand, soit dans la maison qui est en face, soit dans l'hôtel de ville qui est un petit peu plus loin, également un tour par l'église. Enfin, en tout cas, on va rester en ville, je pense, pour cet épisode, puisqu'il nous reste une dizaine de minutes, peut-être un petit peu moins. Ah, j'ai pas oublié le chrono pour une fois. Et voilà. On va y avoir quelque chose de bien, de la boisson, il y a des mouches également. Coca, c'est parti. Ah, on va faire ça très vite, hein, puisqu'on est quand même vachement à découvert dans cette caserne là. Le mec était au dernier étage apparemment. Ah ah! On a l'arme principale, mais on n'a pas de mun. Ok. Dispar. Ouais, j'allais dire. Sympa ça. Si ça se trouve, si vous êtes deux au même endroit et que ce genre de truc se produit, peut-être qu'il y a moyen, dans la fraction de seconde qu'il vous propose là, avec le petit bug, de récupérer éventuellement, que votre pote récupère éventuellement la deuxième arme. C'est quelque chose à tester ça. Moi, je pense que c'est parce qu'il y a un petit peu de ping sur le serveur ou quelque chose dans le genre. Makarov sans mun, on a quoi? Fusil à pompe sans mun, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Makarov avec de la mun. Non, maintenant que j'ai mon M9, pardon. On va rester là-dessus. Crowbar, tout ça. Pepsi et bandage. Mm-hmm. Ouais, on va prendre les deux. Hein. Hop, on va continuer à marcher, comme ça les zombies restent dans la boutique à l'avant et nous on peut monter tranquille là-haut. Et normalement, on n'est pas censé se faire capter par les zombies. Allez, un petit Alice Pack là, fais-moi plaisir. Quelque chose de cool. Ouais, un Cézec, ça me va aussi. Ça me va aussi. Alors, on va rentrer ça là-dedans. Ça la gouille un petit peu. Hein. Prendre. Ouais, j'ai fait une connerie. Oh putain. Ouvrir, il fallait faire. Oh, assaut, fais chier. Décidément, j'enchaîne les conneries maintenant. Ah ben, d'accord. Ah bah prendre. Alors ça doit être une map. Très probablement. Non, chargeur de Makarov. Ça ne m'intéresse pas, on va prendre la boisson qui est là. Bon, on n'a pas perdu grand chose au final, hein. Mais bon, voilà quoi. Faut toujours chier. Chemlight, tout ça on s'en fout. Il y a de la bouffe. Painkiller, ouais. Allez, c'est parti. Pasta. Allez, go. Bâtiment suivant. Éventuellement, peut-être faire un tour en revenant par la caserne. On verra ça tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un supermarché ici. Mais je l'oublie à chaque fois, ce supermarché. Mais c'est vrai qu'il y en a un. Et il est juste là-bas. Quelque part. Alors, l'hôtel de ville est là. On va
On va voir ce qu'on peut y trouver, peut-être des trucs cool, je sais pas trop. J'ai pas entendu de tir pour l'instant, donc il y a apparemment personne dans le coin, c'est assez étonnant. Non, il y a rien ici, pardon. Crowbar, ouais, bon, ça va pop déjà. Ouais. Ah, la poche de gilet check. L'objet ultime dans DayZ. Vous êtes tellement content d'avoir et tellement content de trouver. Il n'y a rien dedans. Allez, on monte à l'étage. Ces ex crowbars, décidément. Rien à se foutre sous la dent. Rien. Rien, rien. Et rien, ok. Eh bah, c'est pas la joie, hein. Quelque chose? Non, rien. D'accord. On continue. Rien du tout, rien du tout, rien du tout. Et toujours rien. Alors, là-dedans, il n'y avait que du crowbar et du sac. C'est pas mal. Des fois, c'est marrant quand même, comme la façon dont ça pop les items. Bon. On va voir si ça a looté là-dedans. J'espère que oui. Ouais, ça loot. Ok, alors. De la bouffe. De la boisson, tout ça je vais prendre. Une horloge également. Alors la tente, je vais l'emmener. Est-ce que j'ai de la place? Oui, j'ai de la place. Prends la camping tente. Non, ah, ouais, d'accord. L'énorme lag. Est-ce que tu l'as prise ta tente ou pas là? Ça se trouve, non, même pas. Ok, ça veut pas, ça veut pas. Ouais, c'est celle-là. Ça veut pas non plus. Ok, bon, très bien. En fait, je me suis dit que. Des allumettes, why not? Je me suis dit que j'allais poser un camp. Enfin, un camp, non, mais une tente pas loin de. Pas loin d'ici, en fait. En direction de. Je sais pas, en direction de Sabina, en fait. Parce que je repop souvent ici, très souvent. Du coup, ce serait intéressant de laisser un petit peu de stuff à l'intérieur, éventuellement, ou quelque chose, je sais pas. Mais ouais, encore. Ouais, peut-être pas, en fait. Ouais, peut-être pas. Alors j'ai énormément de lag. Je sais pas si ça vient du ping chez moi. On va checker ça. Alors, je suis là. Ouais, 80 de ping. D'habitude j'ai 40. Bon, je pense que c'est pas ça qui va faire la différence, mais tout de même. Un petit peu de latence quand même. Pour récupérer les items et tout. Ah, hop, 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 hop. Reviens voir là. Ouais, ouais, je me disais aussi. Nice. Bon ben, on se refait assez vite, c'est bien. Il y a de la bouffe ici, c'est cool ça aussi. Non, on va mettre tout dans le sac. Et je crois que j'ai droppé mon arme. Non. Boisson, ouais, les boissons. On va emmener également. Oh non, on va la consommer direct. Est-ce que je l'ai bu ou je l'ai pas bu? Oh, ça doit nous laguer. Bon. Allez. Direction la caserne. On va refaire un passage. Ah, très bien, il vient de la boire. Enfin, je sais pas trop. Est-ce que je l'ai toujours les deux? Non, j'ai plus les deux dans mon inventaire. En revanche, l'indicateur de boisson. Ouais, n'a pas bougé. Ok, énorme bug. Je sais pas trop ce qui se passe là. J'espère que ça vient pas du fait que ce soit ce perso. Enfin, ouais, j'en sais rien. J'espère que ça repop là-dedans. Ça m'arrangerait pas mal. Voyons voir, checkons. En première vue, non. Oula, 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 oula. Non. Ça n'a pas ripop. Bon. C'est pas grave. On va partir d'ici. Je vais pas refaire les camps. En revanche, je vais passer donc. Je vais filer direction la tour de contrôle. Et ensuite j'arrêterai. Bon, l'épisode va faire peut-être un petit peu plus que 30 minutes parce que là je crois qu'on est quasiment à 30. Mais je vais me planquer un peu plus loin dans la forêt. Ah, ça y est, j'ai le son maintenant de la boisson. C'est n'importe quoi. Je sais pas du tout ce qui vient de se passer là. Mais enfin bon. Ah, il y en a d'autres qui se plaignent du lag. Pendant que Jason a été tué, c'est parfait. Petit con.
Le mec a quand même fait demi-tour. En fait, on s'est croisé sur une route et le mec a quand même fait demi-tour avec son pote et son camion là et son van et tout. Et moi, je suis arrivé à un point où je ne pouvais pas continuer ma route tout droit avec la moto. J'ai dû faire demi-tour, du coup, je l'ai un petit peu grillé. Le mec est sorti du véhicule, a commencé à me tirer dessus. Et j'avais le truck devant moi et j'avais le mec au van derrière moi. Donc j'étais un petit peu coincé. Du coup, je me suis planqué, j'ai éjecté la moto. Comme ça, la moto roulait toujours et la suite, vous l'avez vu quoi en fait. C'est vrai que vous l'avez vu la suite. Je sais plus exactement quand j'avais repris la vidéo, à quel moment, mais c'est vrai que vous avez vu ce passage. Enfin bon, bref, toujours est-il. Merde. Nouveau rien là-dedans. Tout pourri. Oh, c'est un nid crash sheet ça? Quand même, jeter un coup d'œil. Quelqu'un qui a tiré au Makarov. Ah, dans le camp. On va pas aller. On va pas essayer d'y aller. Tant qu'on n'a pas de chargeur d'AK. Jason a été tué. Ah, mais il se suicide en fait, le mec. Il se suicide à la chaîne pour tomber sur un bon spawn probablement. Quelle merde. C'est une grosse merde. Bref. Ah bah, je sens que ça va être rapide, dis donc cette fouille. Rien, mais rien, mais rien du tout. En fait, ça a juste pop-up quoi. Ouais, apparemment, ça n'a pas pop-up. C'est la misère! Non, rien, toujours rien, ok. Et je suis sûr qu'il n'y a rien. Ah, il y a quelque chose quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? Une MP5 avec 3 chargeurs. Ouais, mais je vais pas laisser tomber ma AK pour un MP5. Moi, t'es fou quoi. Donne-moi un chargeur d'AK là plutôt et je serais content. Ah, bah j'ai ma tente. C'est intéressant. Bon, ok. Ouais. Alors. Ce que je vais faire, c'est que je vais déco dans le coin d'ici, moi. Et que bon, bah, comme on n'a pas de mun et quoi que ce soit, on va peut-être faire un tour dans le prochain épisode dans le coin là. Au moins dans le coin militaire. Et ensuite seulement repartir vers la ville, histoire d'avoir au moins un minimum de stuff quand même sur nous, quoi. Et pouvoir se défendre de façon correcte. Allez, je vais me poser là. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à aller checker le site de DZNetwork.fr pour les news, les actus, ainsi que le marketplace mis en place sur toutes les maps disponibles qui sont Tchernarus, Taviana. Et Linger Island. Et éclatez-vous bien. Dépensez plein de fric. Tuez beaucoup de zombies. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un autre épisode. Ciao tout le monde.